C'est Firefly et José, on se trouve pour l'épisode 2 de Blair Witch. La dernière fois, on n'avait rien fait à part se balader dans la forêt, se faire emmerder par une meuf qu'on connaît à, et des gens qui nous saoulaient à la radio. Voilà, hein, c'était un bel résumé, bien sûr, pas de problème. Bah écoute, j'invente des mots. Non, c'était un beau résumé de la dernière fois. Voilà, on était avec Bullet et puis cette casserole de bouffe. Voilà, ça me fait plaisir. Bref, du coup, alors oui, ça par contre, excusez-moi, c'est juste que ça m'a pas remis exactement au même endroit, voilà. Ça, j'ai pas envie de le récupérer, je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai pas envie. Et du coup, bah, Bullet, tu vas pouvoir aller chercher. Allez, let's go, montre-moi la piste. Dépêche-toi. D'accord, bon, t'es complètement con. Excuse-moi le chien, mais bon, t'es un peu débile. Et oui, aussi, la dernière fois, quand même, on avait trouvé la petite caméra qui nous servait à récupérer... Ah oui, à récupérer des objets dans... Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, t'as peur de ça, là? C'est quoi? Olga. D'accord. Ok. Bon bah vas-y, c'est bon, ça va mieux? Ah bah oui. Il gambade, hein. Il cavale, le petit. Bref, voilà, on avait juste récupéré une caméra qui nous permettait de modifier la réalité, de ce que j'ai compris. On avait récupéré une petite... Oh putain, j'ai cru que ça avait bougé. Là, par contre, ça commence à devenir un tout petit peu plus flippant que l'épisode 1, parce que c'est pas que, mais dans l'épisode 1, on était de jour et tout, c'était cool. Là, c'est un peu flippant. Le patient est dans un état terrible. Sa manière de parler indique qu'il a régressé à un stade de développement antérieur, peut-être l'adolescence, ce jour-là. Il admet que les voix l'appellent. Selon ses propres mots, c'est la voix d'une femme. J'encourage le patient à revenir aux méthodes comportementales que nous avons utilisées pendant des années. Ok, c'est flippant. Allez. J'ai rien d'autre à dire à part c'est flippant, vous me saoulez. Pourquoi? Il faut toujours que quand on est dans la forêt, on trouve des papiers là. Et puis comme par hasard, c'est pas des trucs joyeux, genre hey, Choupi s'amuse avec sa voiture. Non, non! C'est toujours au fait, il a des problèmes mentaux, voilà, il entend des voix. Bullet. Tu fais peur, boulette. Tu fais peur, espèce de boulette de papier. Je vous ai dit que ça allait arriver ça. Hein. Merde, mais on est retourné sur nos pas là, non? C'est quoi ça? Attends, mais mec, mais t'es en train de nettoyer la forêt là! Tu crois qu'on a le temps de nettoyer la forêt, sérieusement? Attends, mais on arrive d'où là? Eh, je sais plus moi, ça se trouve, je retourne en arrière là. Attends, mais oui, je crois que oui en plus. Mais oui, putain, je retourne en arrière, non mais là, gogole! Gogole! Allez, oui, Bullet, on y va, c'est par là. Allez. En même temps, si tu servais à quelque chose aussi, on se serait peut-être pas perdu, hein. C'est toi qui as un flair, pas moi, merde! Serre-toi-en, bordel! Par là, ça m'a l'air d'être une bonne option. Je retire ce que j'ai dit, c'est une très mauvaise... Ah, bon, bah il y va. J'allais dire, je retire ce que j'ai dit. Pardon. Ah, il se passe tout dans cet épisode. J'ai failli m'étouffer et tout là. Waouh! Oh! Vas-y, réponds. Mais réponds-lui! Je vous écoute. Nom de Dieu, Ellie, ça fait des heures que j'essaie de vous joindre. Ah! Il y a une sauvegarde, ça pue. D'abord le mot, maintenant vous. On dirait que je cherche à retrouver ce qui entre dans la forêt. Où êtes-vous, bon sang? On est descendu dans un ravin, on s'est dirigé vers le nord, vers un vieux campement. On est passé dans cette zone, on n'a trouvé aucun campement. Non, mais mec, t'es bizarre! Qu'est-ce que tu fais, Ellis? Mettez Joe au héros, posez vos fesses, attendez qu'on vous retrouve. D'accord. Trouvez le campement et dirigez-vous vers le nord, cherchez un repère, quelque chose. Oh là là. Non mais ça pue, ça pue, ça pue. Eh, j'ai beau avoir un chien, je me chie dessus, les gars. Eh, le chien, il me protège de rien du tout, mon ref. Allez, vas-y, on va par là.
On court dans la forêt. En vrai de vrai, là, je vous assure, là, actuellement, je fais la maline. Sachez-le, il va se passer un truc, je vais crier, hein. C'est pour ça que je fais la maline, en fait, parce que je sais très bien que si jamais il nous arrive un truc, vous allez vous moquer de ma gueule, mais fois 15. Qu'est-ce qui t'arrive? Come here, boy. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es où? Oui, bah c'est par là, viens. J'en peux plus de ce chien. Ah, sauvegarde. What's wrong? Hey, what's wrong with you? Hey, come here. Where are you? Mais tu fais quoi, mon ref? Il est où ce con? Viens! Putain, c'est pas possible ça. Je peux pas te dire de. Come here, boy. Attends, viens. Colle-toi à moi. Voilà. Est-ce que je peux pas te dire. Reste près de Stay moi. close, bullet. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'aimerais que tu restes à côté de moi. Tu es casse-couille, Boulette. C'est quoi cette merde? Damn it. Non mais, hé, hey, oh, on est où là? C'est. Ah! Ça me dégoûte! C'est dégueulasse! Qu'est-ce que tu fais? Oula! Oula, oula, non, non, non! Ta mère! Fait peur, elle! Si vous avez sursauté, bah, courage, hein! Alice à la base. Emmett, je voulais juste vous dire que je sais. Hein? What? Ça sert à rien de s'attarder sur le passé. What the fuck? Mais c'est quoi ça? Vous avez trouvé la casquette, ok. Ça aurait pu être pire. Oui, bah alors attends, le ça aurait pu être pire, moi je l'attends encore. Hein. Ça peut arriver, hein. Ok. Et comment ça, mon ref? C'est quoi ces débris? What? Bah comme un bunker. What? What? Oui, je sais ce que je vois. Ouais, mais moi je suis plus très sûr de ce que tu vois, mon What the hell? Allez, laisse-moi ouvrir! Ah, bon. Évidemment, j'ai pas le code. C'est par là-bas, chien. Allez, viens! On y va! Wouhou! À l'aventure! En vrai de vrai, jamais dans la vraie vie, je vais là-dedans, évidemment. Mais je m'en fous, c'est dans un jeu. Ce n'est pas ma vie qui est en danger. Mon cœur, peut-être. Mais ma vie, ça va. Arrête d'aboyer, le chien. T'es casse-couille. Oula. Oula. C'est la bonne direction ou je m'éloigne totalement de là où je dois aller? C'est la bonne direction. Ok. Je m'attendais pas à ça au beau milieu de la forêt. Bah, mec, moi je m'attendais pas à te voir au beau milieu de la forêt. Qu'est-ce que tu fous dedans? Ok. Bah, on va essayer d'aller. J'avais oublié le chien. Le chien. Je t'avais pas demandé de me suivre. Reste avec moi, bébé, hein. Reste avec moi. Pas bouger. Ok. Alors. Ok. Attends, il y a des bruits bizarres là. Oula. Là par contre. Attends, on est revenu à ce putain d'arbre. Mais c'est quoi cette merde? Ah, j'ai juste fait le tour? Sérieux? Attends, mais il n'y avait pas un autre chemin par là-bas? Bon, du coup, tant mieux, mais attendez. Parce que je crois que par là, il y avait peut-être pas d'autre chemin en fait. Ah ouais, non, il n'y avait pas d'autre chemin. Attends, après, je suis allée où? Moi, je suis allée là, je crois.
Donc on va essayer d'aller par là. Ah non! Qu'est-ce qu'il y a? Bolette? Bolette. T'es où? Qu'est-ce que t'as trouvé? Donne? A candy wrapper. Really? Come on, Bolette, you can do better than that. Bah après, je sais pas. See if you can find something else. Vas-y, sniff. Ça pue? Now show me. Allez, vas-y. Sers à quelque chose. Wouhou! Ok, bon là c'est bon, je connais, j'y suis déjà allé. C'est où? Bolette? Come here, boy. Ah, c'est par là-bas. J'arrive. Bolette? Ah, t'es là. Ah, c'est quoi? Oh, une cassette. Let's see. Le fil d'Ariane. What? What? Is that? It's Peter. Oh. Attends, j'arrête. Elise à la base, Peter n'est pas enfui, il a été kidnappé. J'ai trouvé, ouais, ok. Mais mec, t'es complètement pété. Genre là, tu te rends même pas compte que frérot, c'est pas normal en fait. Même si c'est vrai, je peux pas vous laisser partir tout seul. Bah oui. Je fais bien, mon pote. Non, 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 moi je te fais pas confiance, hein. C'est normal de pas faire confiance au personnage principal de ce jeu. Ah. Il est mort. Il est décédé. Ah, mais ça a vraiment marché, regardez. Il y avait un bruit bizarre, par contre. C'est où? Ok, c'est de là où c'est qu'on vient, en fait. Ok, vas-y. Vas-y. C'est par où? À gauche? Okay. Vas-y. Je suis déjà allé par là. Ok. You sure this is the right way, buddy? Tu vois, même lui, il doute. What the... Mais attends, tout à l'heure, c'était pas ça, mon ref. Are we walking in circles, Bullet? What? C'est quoi, cette merde? Oh là là. J'ai l'impression que c'est labyrinthe, mais pour le coup, c'est vraiment labyrinthe, là. Bullet? Bullet. Come here, boy. Where are you, buddy? Oh non. Non, 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 Bullet! Come on, boy. Don't make me chase you. Bullet. Aboie, aboie, je t'en supplie, aboie. Where are you? Aboie, aboie. Putain, con de chien. Bullet. T'es où, bordel? Ah, c'est horrible! Bullet? Ah! C'est... Oh! Ta mère! J'ai peur! Oh, bordel! Ne faites pas ça, bordel! J'ai cru que mon cœur allait... Oh! Oh, je suis morte! Ah, merde! J'ai flippé ma race, putain! Oh! Oh, waouh! J'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque, là. Oh, god damn! Tiens, heureusement que je fais ça de jour et pas de nuit, hein. Mais là, de nuit, les gars, je réveille tout le quartier, là. Oh! Ok. J'espère que vous avez eu peur aussi. Je suis sadique, mais c'est rigolo. Oh, merde! Fou!
Soyez attentifs au comportement de Bullet. Ces grognements vous alerteront des dangers qui rôdent dans le nord. Ouais, bah merci, j'ai vu, ouais. Pendant les combats, restez près de lui, il vous aidera à repérer les ennemis, mais deviendra vulnérable si vous l'abandonnez. Ah. Ah oui, donc faut vraiment rester avec lui, quoi. Mais après, en même temps, c'est toi qui es parti tout seul aussi, espèce de chien, va. Ah, oh, mais c'est sorti de là, mec. C'est quoi cette merde? Ah, il y a une cassette. Mais celle-là, elle change pas le cours du temps. Je pense que je suis pas au courant. Mais je les vois, je les vois. À chaque fois que je les réveille, ils me suivent, ils me fixent. Mais la lumière, elle les éloigne, elle me protège. Je dois les garder auprès de moi. What the fuck? Donc en fait, là, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu. Oh, il y a un truc là-bas. Mais c'est le campement, non? Putain! Hey, je voulais. Il est où? Hey, non mais les gars, faut arrêter, hein. Il est où ce connard? Putain! Il va super vite, ce fils de chien. Il est au bolette. Ah, t'es là? Ah, saloperie. Aïe! Je vais mourir, hein? Eh, vas-y, viens, on court. Viens, viens. Viens là, mon chien, putain. C'est bon, je l'ai fumé. Oh non, mais les gars, mais c'est l'épisode de la détresse, là. J'ai trop peur, j'arrête pas de crier, putain. Eh, hey, Bolette, arrête de te casser, là. J'aimerais du réconfort, ok? Oh, bordel. J'ai crié au moins 4 fois, là. J'ai eu trop peur. Ça fait flipper sa mère. Mais en fait, je vais vous dire c'est quoi le plus flippant. Parce que j'ai déjà fait des jeux d'horreur où genre je filmais pas. Et en fait, le plus flippant, c'est d'être en train de parler. Et pendant que tu parles, eh ben, y a un truc qui te fonce à la gueule. Et c'est pour ça que maintenant, je comprends en fait les youtubeurs quand ils. Vous savez, quand ils ont peur alors qu'ils sont en vidéo. Et en fait, je comprends vraiment. Parce qu'en gros, quand tu es en vidéo et que genre tu joues à un jeu d'horreur, bah, je t'assure, c'est pas la même. En fait, t'es concentré sur ce que t'es en train de dire, et puis t'es concentré sur ce que tu. Non, c'est pas celle-là, c'est celle d'avant. En fait, t'es concentré sur ce que tu. Sur ce que tu dis. Et du coup. Ah voilà, c'est bon, j'ai ouvert le passage. Et du coup, en fait, tu fais vachement moins gaffe aux trucs qui t'entourent, et donc en fait, dès qu'il y a un truc qui pop à ta gueule, bah, tu flippes, quoi. Donc c'est assez particulier. Bah, peut-être qu'on pourrait quoi? Je vous écoute. Arbre blanc, vous voyez duquel je veux parler? Oui, je vois très bien, oui. Mais tu lui dis pas que tu t'es fait agresser par des sortes d'arbres bizarres. Non, tu trouves pas ça utile de lui dire, par exemple, hein. Ok, rebrousse son chemin, super, c'est là que tout a changé. Allez, wouhou, j'adore la vie. Bon, alors, la mort, c'était par là-bas. Ok. Évidemment, ça a giga changé, je parie. Ah non, attends, il est là. Il est là, non, l'arbre. Ouais, il est là. Mais il y est là, le shérif, à l'arbre. Ah non, c'est pas celui-là. Ah non.
C'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, non? Ouah, je sais pas où je vais, les refs. J'ai trop peur maintenant. Je vous avais dit que je ferais moins la maline et que dès qu'il y allait avoir un truc, j'allais crier. Ah, il est là. Ah non. T'es où? Trouver un truc? Attends, j'arrive, hein. C'est par où? Ah, c'est là. Ah non. Bah si. Attends. Si, si, c'est bon, on est retourné par là, là. Par contre, l'arbre blanc, il est de quel côté? Ah, mais y a rien qui va, mon ref. Il y a tout qui a changé, là, non? Aha! Ça, c'était pas loin de l'arbre blanc, si je me trompe pas. Normalement, voilà, il est là. Ok. Mais il est où le shérif là par contre? Parce que là, c'est en... je suis sûr on est au bon arbre. Ouais, voilà, on est d'accord. Vous êtes où? Mais... Ben oui. Ah oui. Hey, don't talk to me like I'm crazy. Oh. Well, what do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Ouais, enfin, détends-toi après mon raffin. Emmett. You there? Emmett. God damn it. Je peux te caresser? Ah! Pourquoi tu grognes, toi? Oh, fuck! Fuck! T'es où? C'est dégueulasse! Aïe! T'es où? T'es où, chien? Il est où? Ok. Je l'ai fumé, je l'ai fumé. Ok. J'ai trop peur. Ah, ça fait flipper cette merde. Ah, merci petit chien. Pour une fois que t'es utile. Non, pour le coup, il est vraiment utile pour les monstres, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, il me montre vraiment la direction où ils sont. Et j'ai eu un message. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà 25 minutes. Comment ça, mon ref? Attends, tu veux dire que j'ai eu un message alors que j'ai pas de réseau? Le B A bas? Le B A bas de la ça la santé? Il vaut toujours mieux se déplacer que de ne rester. Il vaut toujours mieux se déplacer que de rester à ne rien faire. D'accord. Et j'ai pas de réseau. Et on m'envoie ça, alors que je viens de choper un monstre. D'accord. Non mais tout est normal, hein. Tout est normal. Ouais. Bah écoutez, hein, on va sauvegarder là.
Voilà, c'est bon, j'ai sauvegardé. Et puis bah du coup, on va s'arrêter là avec Bullet, toujours présent. Voilà, assieds-toi, Bullet. Stay here, boy. Voilà, sur ce magnifique arbre absolument dégueulasse. Hein, il est ignoble, hein, cet arbre. Je le trouve immonde. Voilà. Bref, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne pour tous mes cris. Voilà, si vous en voulez des nouveaux, bah c'est sur Blair Witch, hein. J'aurais bien crié, j'espère que je vous ai pas trop pété les oreilles d'ailleurs. Et bref, sur ce, moi je vous fais des bisous. And most importantly, believe in your dreams because everything is possible. Ou autrement dit, croyez en vos rêves parce que tout est possible. C'était Firefly, salut tout le monde!